quoi. Pendu. Ce récit commence le week-end du 1er avril, où on est parti avec Alexis pêcher au leurre. Les conditions météo n'étaient pas clémentes, mais les poissons étaient encore assez actifs et on a réussi à en déclencher quelques-uns. Allez, c'est parti, nouvelle session. Encore une fois, un temps formidable pour un week-end. Il pleut. Bon, on va quand même essayer de faire du poisson, si les rivières sont pas trop hautes. J'espère que ça va mordre quand même et qu'on va pouvoir faire du jeu du poisson et s'amuser un petit peu. Bon oui, on est parti et on se retrouve au bord de l'eau. Joli, pas énorme mais joli. Elle fait une trentaine de centimètres. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est nécessaire. Ça va dépendre comment les piquer. Moi je suis de la batterie, je les filme. Non, pas d'épuisette. Elle est belle hein. Hop, allez les gens. Ouais, 35. Une belle truite. Ouais, on va plus de 35. Oh non, elle fait 35. Hop. Ça va se décrocher tout seul sans ardillon. Ouais. Doucement. Bah ouais, comme d'hab, hein. Elle m'a mis une touche. Au milieu. Voilà, là, dans la veine. Yes. Photo ou pas photo? Ton appareil est rapide ou pas? Non? Il est pas rapide? C'est bon? Allez. Parfait. Je te fais comme ça là. Tac. Et en passant comme ça là d'un coup. Ah bah oui, il faut passer droit hein, dans le courant. Faut pas passer vers toi. Hein. Moi je faut juste sentir à peine le leurre vibrer, tu sais. Oui, je crois que c'est en Argentine, ouais. Oh, elle était venue derrière. Ouais, je l'ai. Elle était derrière, je l'ai vue, elle est revenue. Décrochée. Je crois que c'était en Argentine. Poisson? Ouais, bien. Elle est pas grosse, mais bien, bien, bien. On peut leur ramener un poisson d'avril, tu vas voir. Ouais, faut pas l'épuisette, hein. Tu veux une photo, si tu me donnes ton... Je sors mon téléphone. Ou on le fait à la GoPro, elle est pas très grosse. Je la décroche. Je la décroche? Il pique les hameçons, hein. Oui, oui. C'est du bio. Attends, c'est quoi? Je sors la pince au pire. Faut que je l'attrape la truite ici. Allez, Jean. Regardez ça, une belle petite truite. Voilà, c'est bon. Je l'arrache. Hop. Bien joué. Je te fasse au courant. Au duo. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit. Là, il va falloir pêcher face au courant. À la filou. Moi j'ai fait mon poisson d'avril. Moi aussi. Oh, mais toi, on s'est ensuite retrouvé avec Julien et Thomas l'après-midi pour continuer sur les mêmes secteurs qu'on avait pêché le matin avec Alexis. Et là les truites étaient vraiment pas du tout dans la même activité que le matin et c'était très très difficile de déclencher des poissons. On a eu beaucoup de mal et j'ai juste réussi à sortir un poisson.
poisson. Ouais. Ouais. Ça réveille ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai chopé comme ça. Ouais, elle est belle. Yes. Allez, Jean. Enfin, après, je sais pas, enfin, au moins 2 heures de pêche là, sans rien une touche, sans aucune touche, sans aucun suivi. Un petit fish. On l'aura mérité, lui. Belle queue, hein. Ouais. Allez. Yes. Elle est repartie vite. Ouais. Yes, yes, yes. T'as vu là où je l'ai fait? Comment? Est-ce que t'as vu où je l'ai fait? Entre les deux cailloux là-bas. Là. Ah ouais? Ouais. Donc, tout lourd. Elle a tapé entre les deux cailloux. En tout cas, je l'ai ferré entre les deux cailloux. Le dimanche, on se retrouve avec Julien et Alexis pour essayer de pêcher un parcours qu'on a beaucoup plus l'habitude de pêcher. Mais ça reste encore très difficile. J'avais peur d'aller sur la rambarde en face là. De quoi? T'as une petite minute qui a suivi? Ah mais c'est quand même encourageant. Ah non non, ça va pas sauter, ça m'a tiré et décroché. Elle est pas grosse, hein. C'est bon. Hop là, magnifique. Pas gros. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Ouais. Par contre, c'est très mal piqué. Yes! Un très beau fish. Comment ça? C'est peut-être un Julien ça. Putain. Non non, c'est pas Julien. Vendredi 14, début des vacances pour moi. Je vais faire un coup du soir avec Julien. Alexis a pêché pas mal toute la semaine, il a réussi à faire du fish et tout, donc ce soir. Avec Julien, 2 heures, on va essayer de toucher quelques jolis poissons. Je sais pas si ça va mordre, j'espère. Je vais pouvoir toucher une belle truite. Et on verra bien. Allez, c'est parti. Poisson. Allez, c'est parti. Deuxième lancée. J'ai pas pris l'épuisette. C'est pas grave.
Ah, une belle fario. Ça a pas mis le temps, hein. Hop. Eh ben, elle est pas chaude, l'eau. Tac. Tac, décroché, parfait. Deuxième lancé. C'est pas beau, ça? Allez. Repart. Bon, ben, ça s'annonce bien. En même temps, le poste est parfait. Oh, le bordel. Quelques touches encourageantes, quelques suivis, mais rien d'exceptionnel. On a vraiment essayé d'aller chercher les poissons là où ils étaient, à cause des niveaux d'eau, on ne pouvait pas passer partout. Donc on a fait un peu d'escalade, mais les résultats n'étaient pas terribles. On n'a pas eu de super poissons. Julien a fait deux petits poissons, même jolis, mais rien d'exceptionnel. Donc le lendemain, on décide de se retrouver le matin, au lever du jour, pour pêcher un nouveau secteur. N'hésite pas à faire quelques lancers quand tu arrives en bas. C'est trop beau là, la descente de la cascade et tout là. Si on fait pas du fish ici, on est vraiment nul. Les truites, c'est qu'elles sont vraiment pas là. Hein. T'en as une? Ah, bien. Joli. Joli, joli. Yes. Putain, tu les enchaînes, toi. C'est un futur bécard, c'est bon. Ouais, un petit bécard. La matinée aura été très difficile, toujours pas de poisson pour moi. Je décide de me faire un petit coup du soir. Oh, c'était derrière. Une fois que je suis passé au soleil, hop, elle a arrêté de suivre. J'attaque mon troisième jour de capot. Donc le lendemain, je décide d'aller pêcher un petit peu au toc, histoire de faire 2-3 petits poissons. Et là, j'ai emmené ma copine pour lui apprendre un peu à pêcher au toc. Mais attends, tu vas sentir gentiment. Hop là. Oh, elle est plus grosse que la mienne. Oui. C'est pas la même, regarde celle-là. Merci. Merde. Elle est trop belle, regarde, elle a plus orange et tout. Ouais. Allez. Ça fait une plus grosse que moi. Attends, faut que je la décroche. Voilà. Je suis allé la chercher, elle. Oh. D'habitude, ouais. Mais elles sont pas dehors aujourd'hui, les truites. Hein. Faut leur passer sous le nez. Oui, il peut y en avoir. Mais aujourd'hui, faut leur passer sous le nez. C'est un truc de fou. Hein. Si tu leur passes pas pile sous le nez, elles prennent pas. T'as l'air de mieux te débrouiller avec celle-là, non? Pour lancer. Ben en fait, c'est toi qui le fais. Non, repars pas.
petite truite. Toute petite et toute trapue. Typique des ruisseaux de montagne. Tac. Et voilà. Allez, repart. Madame la Vorace. Hop là. Oh, elle est magnifique. Je prends une petite photo. T'as vu le rouge et tout là sur celle de la queue? Et les liserés blancs là sur les côtés? Elle est trop belle. Elle est belle hein. Elle est où? Elle est partie se cacher sous le caillou là.